Hello, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors en ce moment, comme beaucoup d'entre nous, je suis en pleine transformation, en pleine mutation, on va dire. Je m'éloigne de tout ce qui est lourd pour moi, de tout ce qui est pesant, de tout ce qui me tire vers le bas. Je m'oriente de plus en plus vers la simplicité, vers la légèreté dans ma vie, vers plus de bien-être et également. Et ça joue également sur mon positionnement, sur ce que j'ai envie d'apporter aux autres. Et j'ai envie de plus en plus d'aider les personnes à réaliser leurs projets de cœur, à réaliser leurs grands projets, à réaliser leurs rêves, même s'ils sont très grands, même s'ils peuvent paraître inaccessibles, parce que on est venu, selon moi, on est venu sur Terre non pas pour souffrir, mais on est venu sur Terre pour réaliser nos projets, nos rêves, même les plus fous. Et j'ai vu autour de moi un certain nombre de personnes qui s'éteignent, qui ont des rêves quand ils sont adolescents, qui ont des rêves, et puis finalement on s'éteint parce que la vie nous appelle, on rentre quelque part dans le système, et puis on est happé par le système, par la vie, et nos rêves s'éteignent, et on n'a plus de lumière dans les yeux. Et ça, c'est ce que j'ai envie de redonner donc aux autres, c'est ce qui me fait vibrer. Et la nuit dernière, je me réveille et je regarde le radio à réveil, 2h22. Alors, bon, voilà, je me rendors. Et puis, ce matin, donc en me levant, je regarde la signification de 222, 222. Et en fait, la signification, c'est que les idées semées commencent à se concrétiser. Le message, on va dire le message des anges, en fait, c'est de persévérer, c'est de continuer à avoir des pensées positives, à continuer à semer les pensées positives, persévérer. Et pour moi, c'est un signe de l'invisible. Alors, pour moi, encore une fois, on n'est pas obligé de partager bien sûr mon idée, mais on est aidé. Alors, on est aidé bien sûr sur le plan terrestre, et c'est pour ça que c'est important de demander de l'aide, mais également on est aidé au niveau de l'invisible. Et il y a 15 ans, bien sûr, si on m'avait dit ça, j'aurais dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est un fou. Voilà, aujourd'hui, j'ai bien changé. Je suis très sensible aux signes que la vie m'envoie. Je suis très sensible aux signes extérieurs, aux synchronicités extérieures. Je suis également de plus en plus sensible à mon ressenti, à mon intuition. Donc les signes qu'on nous envoie, ça peut être une plaque d'immatriculation, par exemple. Vous savez, si je vois 777, par exemple, sur une plaque d'immatriculation, voilà, je sais que c'est vraiment le bon chemin, c'est le jackpot quelque part. Ça peut être un coup de téléphone inattendu, ça peut être une publicité qu'on voit, enfin peu importe. Mais il y a souvent des signes, en fait, qui sont là pour nous interpeller et pour nous dire, ben voilà, tu es sur le bon chemin, continue, ou au contraire, tu n'es pas sur le bon chemin, tu as quitté ton chemin. Donc en cas de lourdeur, par exemple, si tout nous semble difficile, si tout nous semble lourd, pesant, eh bien à ce moment-là, c'est peut-être qu'on n'est plus sur le bon chemin. Mais quand le signe est positif, et donc la nuit dernière pour moi, ça fait partie des signes positifs, je le prends comme ça, et ça m'encourage en fait à persévérer, ça m'encourage à aller de l'avant dans ma mission, ça m'encourage à aller de l'avant dans mes différentes actions, sur mon travail personnel également. Donc c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. Vous avez certainement des signes que la vie vous envoie. Si c'est des signes de lourdeur, si également votre corps réagit par je sais pas, un mal au dos, ou par un mal au ventre, ou des pressions un petit peu partout, c'est que là, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il est peut-être temps de changer un certain nombre de choses dans votre vie. Au contraire, si la vie, votre corps vous envoie des choses positives, de la légèreté, du bien-être, de la joie, les yeux qui pétillent, par exemple, eh bien, c'est que là, vous êtes sur votre bon chemin, et là, à ce moment-là, persévérez, persévérez. Et ce que j'ai observé également, c'est que souvent, en fait, quand on contribue, quand on aide les autres, donc dans mon cas, ça serait aider les autres à trouver leur chemin, mais surtout aider les autres à réaliser leurs grands projets, leurs projets de cœur, leurs rêves, même leurs rêves les plus fous, les autoriser également à aller de l'avant, leur dire, mais c'est possible pour chacun d'entre nous de réaliser ses rêves. Si on a des rêves, c'est pas pour rien, c'est pour les réaliser. Surtout, on n'est pas venu sur cette terre pour souffrir, on est venu sur cette terre pour réaliser nos grands projets, pour réaliser nos grands rêves. Et
Donc en faisant ça, je contribue, ça me donne du bien-être, ça me donne de la joie, ça me donne de la simplicité, et je trouve que l'échange, en fait, l'échange d'énergie est parfait. Donc c'est ce que je vous invite à faire, c'est de trouver vraiment ce qui vous fait vibrer, trouver ce qui vous amène du plaisir, de la joie, de la légèreté, et à ce moment-là, vraiment, votre vie va changer pour le meilleur. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous souhaite des étoiles dans les yeux, je vous souhaite de vivre la vie pour laquelle vous êtes venu sur cette terre. Il n'est jamais trop tard, rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses projets de cœur, il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à très bientôt.